t'inquiète. Ça, c'est un oiseau. Un petit peu qui sort du commun. Je vous explique le contexte. J'ai accompagné Julien de Ghostory à faire une enquête chez la mine d'extraction. Après, on devait aller chez Cécilia, je devais planter des légumes dans la forêt et faire une enquête là-bas. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui font des plantations sauvages. Donc on a dû se rabattre ici. Donc c'est une petite chapelle, hein. Elle est toute petite, hein. Elle doit faire 10-12 mètres carrés. Et après, si on a un peu de temps, un peu de motivation, nous irons faire une petite session dans la dépendance. Donc il est déjà à l'intérieur. Je vais aller le rejoindre. On va pas sortir trop de matos. T'as ta mallette dehors, Julien ? Ouais, je sais. D'accord. Donc j'expliquais à mes abonnés un petit peu. Donc je suis obligé de tenir comme ça, hein. Sinon je vois rien. Donc j'étais en enquête avec toi. J'aurais pas dit que je comptais faire un petit peu une vidéo des coulisses d'une de tes enquêtes. Et que bah, du coup on se rabattait ici parce que chez Cécilia il y avait certainement du camping sauvage. Donc bonsoir. Je suis accompagné de mon ami Julien. Moi je m'appelle Urban. Et je voudrais savoir si... C'est moi qui ferme la porte. S'il y a du monde invisible ici qui serait disposé de communiquer avec nous. C'est lourd, très très lourd. Je vais chercher mon code. Vas-y. Moi, je vais me poser. Je vais m'asseoir avec vous, si vous le permettez. On va pas vous déranger très longtemps. Je prends les pommes. Tu veux prendre quoi ? Les pommes. Comme tu le sens, Juju. Donc je suis totalement dans le noir avec vous. Est-ce que vous pourriez par exemple vous asseoir en face de moi sur le banc ? Tu as coupé la température. Il n'y en a pas sur celui-là. Mais oui, l'autre, je l'ai coupé. Ah.
Bah, écoutez, moi je vais attendre que Juju. Bon, je vous montre un petit peu comment il travaille dans un sens, mais je vais attendre que tout soit posé et puis que tu rallumes ta caméra. Eh ben. Bon. Je coupe et tu me diras quand tu seras prêt, Juju. Ouais. Ça me permet de savoir que vous êtes près de nous. Vous voulez bien vous rapprocher d'un de ces appareils? Je me permets de m'asseoir. Vous avez une très jolie chapelle en tout cas. Allez, vous pouvez bien vous rapprocher de ces appareils. Regardez, je le fais. Ça fait pas de mal. Vous voulez bien essayer? Si je veux le faire. Je m'appelle Julien. Est-ce que vous voulez bien répéter mon prénom? Quand je suis arrivé, que t'étais dedans, il y a un oiseau qui s'est barré de l'arbre. Ah bon? Ouais, je l'entends bien. Est-ce qu'il y a du monde invisible ici qui vient régulièrement pour écouter les souhaits des gens qui viennent en pèlerinage? Je vois des plaques avec marqué merci. Je crois que je vais voir un insecte passer. Il y a un cousin là, qui est avec nous. C'est l'endroit le plus petit que j'aurais fait en 50 chasses en fantôme. Je sais pas toi. Ouais, mais il est fermé. Il est beau. Il est entretenu. Il est ouvert. C'est un signe de respect en tout cas. Il est ouvert. Je suis venu plusieurs fois me promener ici. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui venaient fumer dans votre chapelle. Je voudrais savoir si ça vous dérange. Ça sentait fort l'autre fois apparemment. Ah bon ? Je dis apparemment parce que c'est Cathy qui est rentrée. Vous savez, on va pas vous déranger longtemps. Hein, on est là quelques minutes, parce que déjà on ne veut pas sortir trop d'appareils pour vous déranger. Déjà je pense que les deux potes c'est pas mal, les K2. Ouais. Si elle respire une pause là-dedans, ça va faire un peu grand. Ouais. Allez, vous voulez bien vous rapprocher d'un de ces appareils? Dire un de nos prénoms, Urban ou Julien, ou vous rapprocher
du K2 qui est posé sur la porte. À part le moustique qu'on entend voler ou je sais pas quoi, c'est calme. Je trouve que l'ambiance est moins pesante que quand on est arrivé. Donc est-ce que c'est parce qu'on a ouvert la fenêtre et enfin la porte quand on est rentré, tu vois que ça. C'est possible. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vous voir ici? Un petit focus. Bien. J'ai pas envie de trop sortir de trucs en fait, toi. Je sais pas si c'est notre respiration. T'as pas entendu? Je sais pas si c'est notre respiration ou nos mouvements, tu vois. Je suis pas très très fan de cet appareil, mais on nous dit que si vous approchez si vous venez me tenir la main, cela devrait le faire réagir. Donc n'hésitez pas. C'est toi ça? Ouais. C'est calme. Ouais. Oh mais bon, c'est un petit lieu à faire. C'était pas prévu hein, qu'on vienne là de base. Sortir du matériel. Moi non plus, je préfère limite qu'on traîne moins ici, qu'on se fasse quand même un petit truc, et puis qu'on se pose un peu plus dans l'indépendance, parce que là on est open bar. On fait ce qu'on veut. Ouais, parce que là, on va tester ta dépendance en couple. Ouais. Bah moi, tu vois, là j'ai de quoi faire une petite vidéo pour mes abonnés, moi ça me va. En tout cas, on vous remercie beaucoup si vous avez tenté de communiquer avec nous. On aura peut-être des résultats à la caméra. Merci beaucoup. Et je repasserai certainement vous voir. Au revoir. Bon. Je vais rallumer ma petite torche. Enfin, ma petite torche. Je me comprends. Je tourne encore, mais ouais, c'est que je voulais l'enlever pour ouvrir la porte.
Les amis, on va se retrouver dans la dépendance, ça va être plus cool avec Julien. Bon, bah, tout de suite. Enfin, dans une prochaine vidéo. Tchuss.